C'est quoi ta pire histoire sexuelle? Yo, pendant le GB, les gars qui apportent pas leur propre condom. So, la question c'est quoi ta pire expérience sexuelle? C'est quoi ta pire expérience sexuelle? C'est quoi ton worst sexual experience? Hey! T'inquiète, je vais pas le dire à ton frère. Wow! La fille, elle faisait les toits tout le long, puis c'était tellement long puis plate que j'ai juste faké l'orgasme. Puis en plus, j'ai dû dormir avec parce qu'elle restait chez nous. Comment se fait qu'un orgasme pour les personnes à la maison? Yo, mais j'avais une capote, fait qu'elle pouvait pas savoir, mais dès que j'ai faké, Ok, mais tu fakes pas avec un son, genre comme... C'était malaisant, c'était plate, puis je l'ai plus jamais revu après. Fait que si t'as une morale pour les cocottes à la maison... Man, be great. La femme, j'arrive à la quinte, là, tu vois, moi, je suis un mec généreux. So, je vais en bas. Ok. Santé de la bobotte. Santé de la bobotte. J'ai vraiment pas for real, man. Ah, sinon, c'est quoi ta pire? C'est quoi ta pire? Je peux pas vraiment raconter ça, la staff est dans la live. Yo, c'est chiant. Mais c'est quoi ta pire expérience sexuelle? Ma pire? Ta pire. T'en as eu tant de mauvaises que ça? Non, mais okay. Ouais, non. Ma pire expérience sexuelle, c'est avec les dents, tu vois. Ok, c'était un bel râteau. Ouais, c'était le râteau. Elle pensait que, tu comprends, c'est l'agricole. Là. Not remembering the next place. Bro, I said it. En live, c'est tout. J'ai baisé un gars qui restait à côté de chez mon ex. Yo, ça a commencé du beat. Bro. But what was that dick good though? I don't remember it. Que j'étais trop sous puis comme j'ai évité le fort. Mais comme yo, le lendemain j'étais déçu, bro. Parce qu'elle était pourrie ou? Non, pas qu'elle était pourrie, bro. Elle était chill, mais c'est comme sa face, c'était bête-led, bro. Bête-led Shrek. Ma pire expérience sexuelle pour de vrai, wow. Pire expérience sexuelle, god damn. Est-ce que t'as même coin déjà? C'est quoi ta pire expérience sexuelle? Écoute, une fille qui pue du cul, ça c'est dégueulasse en tabarnak. Du cul? Ouais, en deguise, genre, tu comprends? Est-ce que t'as pris tes affaires pis t'es parti ou? Ouais, genre, ça ressemble à ça, là. Yo, elle est en dedans, so, t'es posé. Yo, elle connaît même pas ma chaîne, bro, j'ai comme 100 abonnés, t'es posé. Tu penses? Je sais. Il y avait une femme, on a pull-up dans mon auto. Fait que t'as fait ça dans la whip? Yeah, you already know. Après, on a pull-up. Bro, une seconde. Attends, t'as duré une seconde? Ça faisait 7 mois, bro. J'ai pull-up. Quick, c'est tout. J'ai dit, ah yo, don't worry about it. I got another one. Ok, comment tu veux que je te présente? Yo, Max, plug mon IG, man. Plug mon IG. Max, 2X, bar en bas, boyer. Fait que yo, les cocottes qui sont sous, le Farmer Boy. C'est. Comment? Il est venu en 3 minutes. Wow, tu sais qu'il dure combien de temps? Plus que 3 minutes. C'est quoi la moyenne de temps environ, tu dirais? 25-30. Ouais, comme. Ouais. Le gars qui dure 25. Ouais, oui. Oui. Moi, je dure une fraction de seconde, fait que je peux pas savoir, bro. C'est quoi ta pire expérience sexuelle? Oh. Là, c'est filmé, le fait que c'est tuer, filmé, là, yo, yo. La vérité, juste la vérité. Mets la main sur la Bible. La pire. C'est probablement le râteau. Il faut faire manger le cul, non? J'ai pas. Tu t'es déjà fait manger le cul? Non. Wow. Maman, j'ai rien dit. Jamais. Moi, non. À un moment donné, j'ai cogné une femme, puis après, la femme est devenue ce coco. Fait que dans le fond, c'est toi qui l'as rendue une salope. Non, bro, c'est que j'ai appris qu'il y avait déjà d'autres partenaires, bro. Est-ce que t'es allé viande dans viande ou t'as mis une capote? Bro, des fois, faut que tu sois un boucher, tu comprends? So, yo, je laguais les coupes de viande, bro. Yo, hashtag viande dans viande, mon gars. C'est quoi ta pire expérience sexuelle? La pire. Tu vois, quand on bat, c'est poilu, là. Frère, laisse tomber, hein. J'aime plus raser rien, non, laisse tomber, moi. C'est quoi, t'as peur de rentrer ta dick là-dedans comme si ça allait plus jamais sortir ou quoi, là? Comme si j'allais en Amazonie, frère. Non, laisse tomber, bro. Pourquoi aller en voyage quand tu peux juste aller dans la forêt Amazonie d'une femme, hein? C'est quoi ta pire expérience sexuelle? Yo, en vrai, c'est straight up en hauteur, les 15 minutes, man. Une fille m'a bang, mais elle était tellement dirt. Yo, il dit, la fille était tellement dégueulasse qu'elle pourrait se retrouver dans le top 10 des filles les plus dirt des Joliettes. Les femmes Joliettes. BS ma ville, BS mon style. You did. Toi, c'est quoi ta pire expérience? T'es là, tu poses des questions. C'est quoi ta pire expérience? Oh, amen. Pour une fois, quelqu'un me demande. C'est quoi ta pire expérience? Ok, yo, c'est quoi? Moi, ma pire expérience, les gars, bouche.
Fait que t'as pris une caps pour juste ken pendant une seconde. Mais il y en avait un autre. So, on a attendu 20 minutes. We did that shit, round two. 15 minutes! Amen! We thank the Lord today for giving us 15 minutes pour avoir bien taillé la forme. Non, mais je suis chanceuse. Non. Oh, t'es chanceuse? C'est sûr. Ah, oh, ok. Bro, je sais pas, mais à un moment donné, yo, la femme, elle sentait mauvais, là, c'est ça off, là, ça turn off, bro, là. T'arrives, bro, la femme, c'est une 10, bro, t'arrives, la femme, mais, yo. Elle pouvait être du couchi ou du reste du corps? Bro, là, on dirait qu'elle, yo. Y'a pas l'instant. J'étais dans un turn off, bro, j'ai pris mes bails, yo, j'ai jump, man, yo, j'ai bougé. Imagine si t'en vas d'un turn off juste parce que la bobotte d'une fille pue, mon gars. Bro, des fois, quand t'as pas le choix, bro, là. T'as pas le choix. Hey yo, est-ce que vous êtes tanné de pas être cool comme moi? Yo, c'est aussi simple, je suis pas là pour juger personne. Mais, à la fin de la journée, si t'as envie d'être cool comme moi, bro, qu'est-ce que je fais, bro? Juste aller acheter de la merch, papymeuf.com. Bon, la fille était assise sur moi, genre, était dans mon lit, pis là, moi, je comprenais juste fuck all, mon gars, elle commençait à squirt sur moi, ça commençait à couler sur le côté, mon gars, je comprenais fuck all. Je faisais juste, genre, yo, décolle de mon lit, pis était trop down. J'étais genre, non, débarque, était, non, continue comme ça, chiant. Boum! Mais on peut pas continuer parce que t'es en dedans, mec, fait qu'on va. Non, elle va jamais voir ce dossier. On revient pour toi, qu'est-ce qui se passe? Elle, elle cherche lequel. Pas de commentaire. Moi, ouais, moi, à un moment donné, ben, tu sais, je me suis trompé de trop, là. J'ai pris le mauvais chemin, pis ça arrive. Tombé, est-ce que ça puait ou. Non, c'était chill. Mais c'est pas à refaire tant que ça. Mais je te dirais que ce qui est pas mal là, c'est genre, mettons qu'avec un gars, genre, il vient, pis là, il te laisse comme pas le temps de venir. Genre, il est comme. Bye! Il est genre, bye! Ouais, là, je suis comme. Ouais, mais est-ce que t'es déjà venu au moins? Oui! Mais okay. Non, pas qu'à. Non, c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, lui est venu, pis moi, je suis pas venu, tu comprends? En moyenne, si j'avais un sex session avec toi, ça devrait durer à peu près combien de temps pour que tu viennes? Ben, je sais comme... pas, mais là, Janie, salut! Quand la femme fait le râteau, avec ses dents là, comme si c'est mateur dans les bagnoles, vraiment. Il a dit le nec dans les bagnoles! Yo, laisse mon boy en paix, j'y t'as quoi? Je vais pas aller dans les détails, tu comprends? Mais comme quoi que la femme me disait qu'elle avait pas ses règles, vous connaissez la peut-être a menti. Ouais, elle m'a menti, mais après ça, bro, je me suis levé puis j'ai ciao bye, tu comprends? Mais ça pourrait, c'est ma pire, bro. Yo, bizarre, tu comprends? Mais... comme le philosophe de Montréal a dit, j'ai connecté quelqu'un puis j'ai mes deux. Ciao bye! C'est quoi ta pire expérience sexuelle? Shit. Ok, attends. Laisse-moi y penser, parce que I got a lot. Je faisais mon auto. Vraiment bien. Pas un bon spot pour ça, là. Mais bref, la femme m'embrassait comme un oiseau, bro. Tu sais, c'est quand un oiseau il va pour des graines, ça. Exactement, comme ça, j'étais tellement turn off, bro, je te jure. Je suis en train d'abuser, j'ai débandé à l'intérieur d'elle, bro. Peut-être j'ai pas de mauvaise expérience. You know, when you're good at it, you don't have good, bad experience, you know? Ouais, mais bad pussy. Bam, 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 bam. Bad pussy, tu peux pas réaliser ça, bro, arrête. Bad pussy, pour toi, c'est quand le pussy dit yo, pour toi, je suis rendu weak. You know, yo, there's no weakness. Ça veut dire pas de 1, 2, 3, 4. There's no 1, 2, 3, 4. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, et puis toi, tu dis combien de rounds, ma nègre? Combien de rounds? Bro. Bah, ben, sérieux. Till the sun comes up. Le nouveau saying, les gars. Le nouveau slang de Montréal 2019. Vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce que les bitches ils veulent? Wow. Zozo en bouche. Zozo en bouche. Zozo en bouche. Hashtag and they wanna get their guap too. Tu donnes le zozo, elle veut le cob. Tu donnes le cob, elle veut le moi, zozo. Moi je suis pas d'accord parce que moi je donne le zozo et j'ai du cob. Wow. Ok, c'est quoi, c'est quoi? Moi je vais marcher. I'm going to pee, fam. Tu peux te dégourdir, tu comprends? Ça reste entre nous, à la fin de la journée. Oui, ça va aller où aussi après? Mais j'ai une chaîne YouTube, mais elle a juste genre 100 abonnés. 100 abonnés? 100 abonnés. C'est déjà trop. Arrête, fais ça pour moi. Tu veux que je nourrisse mes enfants à la fin de la journée ou non? Ouais. On compte sur ta réponse, tu comprends? Non! Shit, I tried. Je peux pas la penser. Acapella. Vas-y. C'est le thé qui frappe à la cotonna. Ta chérie, c'est moi qui l'a gâteau. Pour le suivi des choses, pas très catholique. Il te manque de respect, éclate-le. J'aurais percé si je passe à la télé. C'est l'argent qui l'a bercé, fais la passer au télo. Bébé, avec ses petites dotes, retenez-vous.
les filles complétaient la phrase. Je déteste les gars qui... Je déteste une femme qui... Voilà. Je déteste les gars qui... Qui ont pas des grosses bites.